Mais maître, nous avons fait non réfinement, il y a besoin de strasser sous si je lui donne en merveille. C'est genre un jeu à chaque fois. Donc à chaque fois que je peins, j'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de quitte à ressortir de manière différente à la fin d'une toile, de plus être la même, de renaître. Quand je peins, je peins toujours comme si c'était déjà ma mort organisée, comme c'était une méditation, comme c'était un cadeau que j'attendais, comme c'était quelque chose que je voulais donner. Et en étant en Afrique, j'étais très africaine soi-disant, en étant en France, j'étais très française. Je me suis rendu compte que tu pouvais vraiment piocher le meilleur dans chacune des cultures, mais c'est à toi d'aller chercher. Donc du coup, je peux être aussi chinoise et japonaise, parce que finalement, on crée ses origines d'après ses passions, moi je crois. L'inspiration de base, c'est vrai que c'est mes deux petites princesses, mes deux filles. Par ma qualité de maman déjà, d'avoir ressenti cette création à l'intérieur de moi, je m'en sers énormément pour aller rechercher plus loin que ce que je suis, mon inspiration. La base, c'est toutes les cultures primitives et les signes qui viennent de l'origine. Une peinture peut avoir aussi une fonction. La fonction, c'est toujours d'être positif et de faire du bien. Si c'est guérisseur, c'est encore mieux. Parce que j'étais quand même bercée par l'art africain, qui est un art chargé, qui a été fait par des sorciers des fois. Je pioche un peu dans toutes les civilisations, ce qui fait ma nature à moi maintenant. Souvent, j'aime bien créer des ateliers côte à côte ou bien m'amuser à travailler sur la même toile. Mais c'est surtout les musiciens qui m'inspirent plus. Je trouve qu'on a un dialogue qui s'emboîte. Je suis autodidacte, mais j'ai travaillé énormément sur une formation très classique à l'huile. C'est-à-dire que j'ai commencé par apprendre toutes les techniques des grands peintres, surtout l'école italienne. Et puis en arrivant ici aux Antilles, tous mes médiums, tout ce que je travaillais ne marchait pas. Ça fonctionnait plus pareil, il y avait des temps de séchage différents. Donc je suis partie sur l'acrylique. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus spontané maintenant. Respecter l'œuvre qu'on va laisser ou bien la personne qui va venir chercher ça. Et ça, c'est très important. En Afrique, ma mère avait monté une école maternelle dans notre jardin. Et c'est moi qui ai repeint tous les murs. Donc j'ai fait tous les dessins animés sur tous les murs de l'école. Je devais avoir quoi, 7-8 ans. Et puis bon, ben, ça continue. Dès que je vois des murs libres et que je peux les peindre, wow. Ça, c'est bien de peindre aussi avec les enfants parce qu'ils sont, ils ont cette espèce de. Je m'en souviens.
Et alors les garçons, qu'est-ce que vous faites là? Je fais un petit brouillon. Ça va la fête des mères. C'est une femme girafe. Je laisse toujours un espace créatif pour les enfants. Quand je fais une exposition, j'aime bien inviter d'autres artistes, qu'ils soient peintres ou musiciens ou acteurs ou n'importe quoi, pour qu'on crée ensemble ou qu'on expose ensemble. Et c'est ce que j'appelle art-mouvement. La peinture, c'est un voyage entre le monde réel et irréel. C'est plus dans le rêve que je cherche à être consciente que dans la réalité que je cherche à être inconsciente. Mieux qu'avec un autre peintre qui vit dans sa bulle, les musiciens ils sortent des choses que moi je ressens à l'intérieur et je leur sors en images ce qui a été éphémère pour eux, et j'adore ce travail qui est pour moi un travail d'inspiration collective. Confronté à des musiciens qui travaillent en live, là tout de suite il y a une émulsion qui se crée entre deux inspirations, et pour moi ça c'est magique. Plus il y a de la lumière, et mieux on se sent en général. Tu dis quelque part que l'obscurité est une lumière intense qui ne se réfléchit pas. Oui. Ça, c'est pas des commandes. Je peins pour moi et je fais ce que je veux. Mais en même temps, c'est toujours, quand je peins, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui me commande. Et quand les gens arrivent et les prennent, je suis pas toujours... Au début, j'étais surprise, mais maintenant, je le suis moins. Art Mouvement, c'est un concept de partage et d'échange entre différentes expressions artistiques. Essayer de rendre des émotions autres que visuelles.
la qualité du partage que tu as à l'extérieur dans ta vie, c'est ce qui fait la qualité de ta peinture. Hein. Regarde cette lumière, il y a la pluie qui arrive. Et donc, quoi, wow, l'arc-en-ciel, ça j'aime bien. Ça, c'est... Oh, ici, voilà, Saint-Barth, c'est les arcs-en-ciel. Waouh, il y a des arcs-en-ciel ici tout le temps. Ils sont magnifiques. Tu as l'impression d'être à leurs pieds, de les toucher comme ça, dès que tu tends la main. C'est puissant, l'arc-en-ciel, quand même. J'attends qu'il se passe quelque chose. Tu te rappelles la petite Nicole au Manapani? Elle est partie, elle m'a laissé un petit cadeau. Elle m'a écrit tous les mots importants pour elle en italien. Elle me les a traduits en français pour que j'ai...